Bonjour mes élèves, comment allez-vous? J'espère bien que vous allez bien. Avec vous, Madame Lam, professeure de langue française. Allons-y. Comment allez-vous? J'espère bien que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le temps de l'histoire. On va apprendre cette année une histoire. Notre histoire cette année est Blanche-Neige. Vous avez bien cette histoire, mais surtout en anglais ou bien en arabe. Aujourd'hui, on va lire ensemble l'histoire, mais en français. Allez, on va commencer. Blanche-Neige. Chapitre 1er. On va commencer par le premier chapitre. Blanche-Neige, qui est très belle, est une jeune princesse. Sa mère est morte et son père, qui est le roi, a épousé une autre femme très méchante. Cette nouvelle reine est très méchante parce qu'elle ne veut pas que Blanche-Neige soit plus belle qu'elle. Un jour, la méchante reine interroge son miroir magique. « Miroir, miroir, dis-moi, qui est la plus belle du pays ?»« Vous êtes très belle, » répond le miroir, « mais Blanche-Neige est plus belle que vous. » Allez, on va essayer de traduire un peu en anglais. Blanche-Neige, c'est Snow White, qui est très belle, who is so beautiful, est une jeune princesse. She's a princess. Sa mère est morte. Her mother was died. Et son père. And her father also. Qui est le roi. He is a king. A épousé une autre femme. He get married from another woman. Très méchante. Very bad. Cette nouvelle reine, that queen, est très méchante. Is very bad. Parce qu'elle ne veut pas que Blanche-Neige soit plus belle qu'elle. Because she doesn't want that Snow White be more beautiful than her. Un jour, one day, la méchante reine interroge son miroir magique. La méchante reine, c'est la the bad queen, ask her mirror, her magic mirror. Elle a dit, miroir, miroir, my mirror, tell me who is the most beautiful in the pays, c'est dans la ville par exemple. Vous êtes très belle, you are very beautiful. Tell her the mirror. But Snow White is more beautiful than you. Allez, on va passer à l'autre page. On va lire d'abord en français. Alors, très en colère, la méchante reine ordonne à un soldat d'emmener Blanche-Neige dans la forêt et de la tuer. Mais le soldat, qui est gentil, ne veut pas faire de mal à Blanche-Neige. Il la laisse s'enfuir et rapporte à la reine un cœur d'animal. « Voici le cœur de Blanche-Neige, » dit le soldat à la reine. Blanche-Neige est morte. On va essayer de traduire un peu en anglais. Alors, très en colère, very angry, la méchante reine ordonne à un soldat, the bad queen gave an order to one of her guards, d'emmener Blanche-Neige dans la forêt, de faire prendre, to take Snow White to the forest, et de la tuer, and kill her. Mais le soldat, but the guard, qui est gentil, he is a gentleman, ne
ne veut pas faire de mal à Blanche-Neige. Doesn't want to kill her. Il la laisse enfuir. He just let her go. Et rapporte à la reine un cœur d'animal. And give to the queen a heart of an animal. Il a dit, voici le cœur de Blanche-Neige. That's the heart of Snow White. Blanche-Neige est morte. Snow White was dead. Et c'est fini pour page 4 et page 5. Essayez bien de lire beaucoup à la maison. Et merci, c'est tout. Merci et au revoir.